Bienvenue, bienvenue, c'est avec un très grand plaisir aujourd'hui que je vous retrouve pour ensemble découvrir un nouveau jeu, j'ai nommé Little Nightmare, un jeu de plateforme développé par Tarsier Studio en 2017 et qui se veut Survival Horror. Mais trêve de bavardage, commençons tout de suite. Parti. Alors, en contrôle un petit personnage avec un anorak jaune. Ça me fait penser à au film Ça. Alors, est-ce qu'on a des commandes particulières? Parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait un tuto. Ok, la croix c'est pour sauter. Est-ce qu'éventuellement on aurait une lampe? Ok, on a un briquet. Oh, c'est super joli. Ah, ça rend hyper bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On peut allumer ça? Oui, on peut allumer ça avec notre briquet. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? On doit passer par cette trappe. Alors. Ok, la gâchette, c'est pour maintenir les objets. Je souhaite passer dedans. Est-ce que j'ai un bouton pour m'accroupir? Ah, ok, c'est L2. Ok, L2 pour s'accroupir. Et là, on est dans des canalisations, des tuyaux. D'accord. Non, graphiquement, pour l'instant, ça reste une claque. C'est très très joli. À première vue, on est dans un monde un peu horrifique. Enfin, d'où le nom du jeu, je pense. Hein. Ah ouais, on est vraiment minuscule par rapport à l'environnement qui nous entoure. Là, est-ce qu'on aurait une touche pour courir, peut-être? Non. Ah. Ok. Je peux m'y accrocher. Et pour l'instant, je ne pense pas que ça serve à grand chose. Mmh. Oh! Il y a un visage qui est passé devant le hublot. Je peux déplacer ça? Non. Où est-ce que je dois me rendre? Ok. Sur le lit peut-être. Et on passe par l'espèce de hublot. C'était bien ça. Alors je sais pas comment éteindre ce briquet par contre. Donc on va rester avec. Ah ok, j'avais pas remarqué mais... Très bien, ok, il y a un mec qui s'est pendu. Est-ce que si je déplace la chaise et que je la mets devant la porte, je vais pouvoir atteindre la poignée? Alors, tac. On est good? Yes. Même pas. Oh, ah ouais, il y a du goudron par terre. C'est absolument pas où on se trouve. Je crois que c'était pas du goudron.
Ça a pas l'air d'être du mouvement. Plutôt du sang. Oh, les effets sonores sont dinguissimes. Est-ce que je dois passer par là? Ouais. Ah, il faut savoir que moi je joue à la manette. Actuellement, je joue pas à la clavier souris. Hop. On a une bouteille de gaz juste au-dessus. J'espère qu'on va pas la faire péter avec notre briquet quand même. Non. On entend une espèce de battement. Je pense qu'on est dans la cale d'un bateau. Je pense, parce que avec le hublot de tout à l'heure et tout ça. Et la caméra a l'air de tanguer de gauche à droite. Je pense bien, je pense qu'on y est. Alors, si on regarde ce qui nous entoure. Ah, est-ce que je peux grimper là? Oui, je peux grimper là-dessus. Ah, et là je me retrouve bloqué. Ah, moins que je puisse escalader la petite planche, le petit rebord de planche. Non. Allez, tu peux y arriver. Oh! Ok, il suffisait de... Bah, d'ouvrir la porte. Et là, est-ce que je peux grimper les... Oui, je peux! Super. Par contre, je vois des pieds là, ça me... Yes, ok. On y est arrivé. Alors du coup, je sais pas à quoi servait la lanterne à l'autre bout des pièces. Mais enfin. Oula, 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 oula. Non, 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 aïe! Ok. Bon, d'accord. Il faut pas que je me fasse attaquer par ces petits trucs là. Tu cours, tu cours, tu cours, tu cours. Et j'ai pas moyen de me défendre. Cours, 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 te laisse pas avoir. Enfin, je pense qu'ils sont sensibles à la lumière, mais pas à mon... Pas à mon petit briquet. Une espèce de sangsue. Donc c'était pas du sang tout à l'heure, je pense. Je pense que c'était la même matière. On les voit au plafond. Pas au plafond, sur le tuyau. En fait, c'est une succession d'énigmes. Et on passe les niveaux comme ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a... Une manivelle. Une porte en bois. Que je peux démonter. Super. D'accord. Oui, non, 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 non. Oula, oula, oula. Oula, oula, oula. Cours, cours. Oula, oula. Lâchez-moi, 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 lâchez-moi. Non. Allez. Ici, je me mets en hauteur. Est-ce que... Non, mais non. Je ne serai pas protégé. Ouvre-toi la porte, s'il te plaît. Oui. Allez. C'était tendu. Ah, d'accord. Je pense que ce sont des checkpoints. Ce sont des points de passage. Parce que j'ai le petit logo sauvegarde lorsque j'allumais les petits lustres, les petites lampes torches. Pas un petit lustre. Alors. Non. Oui, doucement. Non. On va essayer de faire plus attention cette fois. Oula, oula, oula. C'est quoi ces petits lutins là? On y va doucement. Voilà.
faut se diriger. J'aurais tendance à dire... Non, pas par là, très bien. Là, faut que je saute. Non! Ouh, il y a des dégâts de chute. Ok, c'est bon à savoir. Je passe par là, c'était dans cette direction. Et là, on saute. Et on monte l'escalier. Par contre, le briquet, il éclaire que dalle. Il éclaire vraiment rien du tout. On dirait que c'est quand même mieux que rien. Qu'est-ce qu'on a ouvert? Faut faire vite, faut faire vite, faut faire vite, allez. Allez, 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 allez. Ah, mince. Je pense qu'il faut pouvoir le bloquer avec quelque chose. Là, si je fais ça, que je lâche, ouais. Okay. Appuyez, maintenez carré pour sprinter. Allez, 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 allez. Allez, yes. Ouh. Donc on peut sprinter avec la touche carré. Alors ici, qu'est-ce qu'on a de beau? Très bien. Est-ce qu'il y en a un deuxième qui va sortir? Alors qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a en haut là? On va passer par ce petit trou de souris. Oh! Oh! C'est quoi ça? On est dans... J'ai l'impression qu'on est dans une prison. Se faire repérer par les lumières. Par là, je suppose. Ouh. Oh, ok, on est dans les toilettes sèches. Et la clôture est clairement électrifiée. Est-ce que je peux y passer? Je pense vraiment pas que je puisse passer. Je peux pas passer. Ah! Derrière la porte, là. Hé hé! Je l'avais vu. Alors, si on décale ça... Hop! On fait des gens comme tout. Ah, il y a un compteur, il y a un compteur, il y a un compteur. Vite, vite! Il y a un minuteur. On est bon. J'espère que ça va se renclencher parce que je vois rien du tout. Hein. Ok, ok, c'est peut-être une... Non, non, si, ça se renclenche. Si je passe par là... Qu'est-ce que j'ai là? Je retourne dans l'autre pièce, c'est ça? Oui, parce que du coup j'ai pas de disjoncteur par ici. On a le petit chouchou. On peut faire derrière. Ah, oh, ça serait génial. Non. Pas du tout. Ah, oh, c'est chaud quand s'il y a ça dans une prison. Franchement, c'est plutôt bien. Ah, je pense qu'il faille qu'il nous faut disjoncter dans l'autre pièce et courir le plus vite possible dans les à travers les grilles, parce que ça me paraissait vachement long quand même là. Le minuteur me paraissait vachement long. Alors, tac, et là on court, on court, on court, on allume le briquet si possible.
pense même qu'il y aurait, je pense même qu'il y a une troisième grille. Vu le temps que ça met à se réactiver. Allez, 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 allez. Non, il n'y aura pas de troisième grille. On a assez de temps juste pour des grilles. Et là, c'est... ouvre la porte qui te mangera pas, c'est ça? C'est quoi le délire? Il faut analyser la situation. Là, on a des jouets. Je pense pas que ce soit une chambre d'enfant, honnêtement. Je pense que très clairement, on peut pas ouvrir les portes non plus. Non, 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 non! Cache-toi, cache-toi, cache-toi. Quoi, c'est une espèce de caméra de surveillance? Il faut passer le plus vite possible. Oh, ok, j'ai pu survivre. Oh, génial. On va la laisser passer tranquillement. Non, non, non. Et on prend le point de passage. Allez. Génial. Ah non, on a les espèces de... de petits personnages là qui nous attendent à la cage. Alors la question hein, c'est comment je vais faire pour passer de l'autre côté? À moins que je puisse escalader les petites boîtes aux lettres. Non, les petits casiers, je peux pas. Si, je peux, par contre, les cages, je peux les escalader. Et du coup, ce personnage m'intrigue en bas. On va le rejoindre peut-être. Bah, je pense que c'était par là en fait. Je pense que c'était par là, mais je suis quand même... Je suis quand même curieux de savoir ce qu'il y a en haut. Bon, par là, je pense pas qu'on ait grand chose. Très honnêtement. Ah si, 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 on a... Oh! Ok, donc là, on a l'espèce d'œil qui... Il surveille en bas là, dessiné sur les murs. Il y a une espèce de nonne. Vous la voyez là? C'est la même statuette qu'au début. D'accord, en dessous du lit. Mais c'est du sang ou c'est... C'est quoi juste? Wow! Qu'est-ce qui se passe? Cache-toi sous le lit. Éteins ce briquet là. Je sais pas comment on l'éteint. Oula. Oula. Oh, je me fais caca dessus. Allez, barre-toi, barre-toi, barre-toi gentiment, barre-toi. Merci. What? On a des bébés dans... Oh d'accord, ok. Ok, faut pas faire de bruit là parce que... Mais y a des trucs. C'est même pas si c'est des bébés recroquevillés sur eux-mêmes. En train de faire la sieste. De pas faire de bordel. C'est une prison pour bébés en fait, c'est... Bon. Ça me paraît très glorieux tout ça. Bah je pense que c'est pas par là. Enfin, c'était pas par là, je pense que c'était par l'espèce de cage de tout à l'heure, mais je pense que c'est un autre chemin en fait. Je pense que c'est juste un autre chemin. Mais je serais beaucoup trop curieux de voir ce que donnait l'autre chemin. J'espère qu'elle va pas se péter la grille. Non, c'est bon.
commence à avoir faim. Est-ce qu'il y aurait une barre de faim? Mais qu'est-ce que... On est dans la cuisine, on est dans la cuisine, de toute façon, on est... Tiens bon, tiens bon. Ça va le faire. Oh, mais attends. Mais attendez, mais est-ce qu'on contrôlerait pas l'un des bébés, justement? Enfin, l'un des enfants? Hé, hey, toi! Ouais, donne-moi par les barreaux, s'il te plaît, quelque chose, là. S'il te plaît. Ah, ce serait génial. Oh, si ça fonctionne, ce serait génial. Oui, s'il te plaît, oui, oui. Oui, merci. Merci beaucoup. Oh là là, on est tellement pris dans le jeu, sérieux. C'est fou. Il est génial. Les musiques d'ambiance, les effets sonores, tout est génial, les graphismes. Oh. Mmh. Qu'est-ce qu'on aurait par là? Les douches uniquement? Une cage? Toutes ces cages, par contre il y en a une qui est suspendue, du coup je suis pas très serein. On va pas pouvoir passer par les barreaux. Ils sont actuellement électrifiés. Et par là. Non. Par contre ici je peux. Et... Te casse pas la gueule s'il te plaît. Je sais toujours pas comment on fait pour les allumer. Enfin, je me rapproche de dessus avec le briquet. Moi, j'imagine que c'est comme ça de toute façon. Et là, je suis bloqué. C'est ça? C'est comme ça que ça marche? Qu'est-ce que je peux faire? Là, par en bas, je pense que c'est foutu. Sur les casiers des côtés, on peut pas. On peut pas monter. Est-ce que... Attendez, est-ce qu'on peut s'accrocher? Oh mais oui, d'accord, encore. On peut s'accrocher à la chaîne. La chaîne qui était juste au-dessus. Ok, c'est bon à savoir. Parce que je pense que ce sera pas la dernière. Bon. On a une petite échelle. Déplaçable ou pas? Pas du tout. Non, non, non. Te casse pas la gueule, s'il te plaît. Ok, grimpe. Voilà. On a deux leviers. Celui qui coupe le courant. Non, celui qui relève le plateau. Enfin, le plateau, les casiers. Non, 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 reviens ici, reviens ici, reviens ici. Attends-moi. Oh, le bordel que ça fait. Allez, faut sauter, cours, 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 cours. Accroche-toi. Yes. Là, on a un deuxième disjoncteur. Oh, d'accord, on peut se faire des escaliers avec les casiers. Tac, allez. Évidemment, évidemment qu'il est bloqué. Comme dans la vraie vie, quand ça bloque, on essaie de le tirer encore plus. Ça marche pas. Celui-ci aussi est bloqué. Celui-ci est bon. Dites-moi que celui-ci est bon aussi. Celui-ci est bon. Et là, j'imagine que...
Tu t'accroches. Super. Tu sautes. Accroche-toi. Et là, tu cours, tu cours, tu cours. Pousse ça dans le vide. Et on a quelque chose qui remonte, c'est sûr et certain. Ça me paraît logique. Génial. Une corde. Je vais te libérer, mon gros. Je sais pas qui tu es. Je sais pas pourquoi tu es là. Mais bon courage. Je suis allé trop bas là, non? Non, ok, c'est bon, c'est bon. Le bordel que ça fait! Aïe 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 aïe! Évidemment, il n'y a plus de lumière, du coup, il y a ces petites bestioles qui apparaissent. Non! Non, je tombe dans le vide! Peut-être faut en essayer de pas tomber. Et je pense qu'on est bon. Oh, oh, oh. Est-ce qu'elle a un paternel aussi? Là, on suit le chariot, on suit le chariot, on suit le chariot. Non, 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 non! Allez, cours! Non! Plus d'un qui est mort. Regardez toutes les espèces de statues humaines là. Allez, on se fait pas avoir cette fois. On est bon. On attend que. Voilà, suis le chariot. Et tu cours, et tu cours, et tu cours, et tu cours. Super. Wow, non, monte, 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 monte. Non. Oh. Ok, là, donc là, je pense qu'il faut juste courir. Il faut juste courir, 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 courir. Faire en sorte de s'accrocher. Déplacer ça. Allez, on monte sur ça, on monte sur ça. Allez, monte. Allez, allez, yes.